Bonsoir mes petits sapins. Donc, putain, pour une fois que j'arrive bien à régler ma lumière, franchement, je suis fière. Enfin, normalement, je suis pas trop jaune pissé ou je sais pas comment. Bref, aujourd'hui, on est parti pour une vidéo haul. Voilà, c'est ce que j'ai accumulé un peu comme achat ces deux derniers mois. Voilà, je voulais vous montrer parce que j'ai fait des belles petites trouvailles et je voulais les partager avec vous. Donc, dans un premier temps, on va faire les chaussures. J'ai pris deux paires de cuissardes et trois paires de bizarres, tu vois. Donc, les premières cuissardes que j'ai prises, c'est celle-là. C'est des plates parce que je me suis dit je vais prendre une qui a un peu de talon et l'autre qui sont plates. Comme ça, si j'ai pas envie de mettre de talon, ce sera parfait. Et elles sont top niveau. La qualité est nickel. Il y a des petits lacets derrière. Voilà. Moi, je fais 1m60. Elles m'arrivent pile poil un peu au-dessus du genou. Elles tiennent super chaud. Je les kiffe. Truc de malade, je les kiffe. C'est un espèce de beige rose bizarre, je sais pas si vous voyez, et c'est en daim là, la matière, là. Je sais même pas comment on dit ça, en daim, je crois que c'est du daim. Bref, je les ai payé combien celle-là? Ça c'est sur Asos, 59,99€. Voilà. Donc après, sur Bershka, au prix de 4€. Pourquoi tu parles comme ça là? Je n'ai même plus parlé ce soir. Alors après, chez Bershka, j'ai pris celle-là, 49,99€. Et il y a un tout petit talon. Comme moi, je ne sais pas marcher avec le talon. Voilà, ça me convient parfaitement pour pas m'afficher dans la street. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, c'est toujours la même matière. Elles sont un peu plus fines, mais nickel. Franchement, je les kiffe. Elles m'arrivent pile poil là où il faut. Malgré mon 1m60, c'est formidable. Et c'est une très belle qualité, il n'y a rien à dire. Après, à Camailleux, j'ai trouvé ces petites bottines d'amour qui sont fourrées à l'intérieur, j'adore. Et elles coûtaient 39,99€. Moi j'ai kiffé, tu vois, elles sont rembourrées à l'intérieur. Voilà, comme ça t'as bien chaud au panard. Et t'es mignonne comme tout. Deux en un. Moi j'aime bien. Donc, après je vous explique. J'avais vu plusieurs fois ces chaussures sur internet et j'aimais pas du tout. Tu vois, je trouvais que ça faisait chelou. Mais quand j'ai vu une de mes princesses avec, elle était trop mignonne. Et j'ai kiffé sa mignonnité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en premier lieu, j'avais trouvé celle-ci. Franchement, je l'ai kiffé. Je suis dans le rose poudré en ce moment, j'adore ça. C'est un truc de malade. Mais je t'explique, au début, j'ai trouvé celle-là. Et elle avait la semelle blanche. Et après, j'ai trouvé les autres avec la semelle toute rose. Et je préfère largement. Mais celle-là, pour traîner, si les autres s'abîment, je serais bien contente de les avoir, tu vois. Donc, je ne les ai pas envoyées. Et ça, c'est sur le site de lamodeuse.com. D'ailleurs, j'ai vraiment kiffé ce site. Livraison rapide, le service client, il y a plein de trucs que j'ai kiffé. Les pulls choker, il y en a une tonne. Les robes aussi choker, j'adore ça, il y en a une tonne. Bref, donc j'ai pris sa sœur. Et là, vous voyez, la semelle, elle est rose. Moi, j'adore, je les trouve trop, trop mignonnes. Et au pied, on est tellement chou là-dedans. C'est un truc de fou. Franchement, je les kiffe. Un truc de malade. Vous voyez, ce pull là, choker, je l'ai pris sur la modeuse. C'est une dinguerie, il est super joli. Voilà. Et la qualité, elle est top, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un site que je vous recommande. Voilà, la manche est rentrée chez elle là. Mais je le kiffe ce pull. Je le kiffe trop. Donc, après, sur le site Blue Shop, j'ai commandé trois robes. Alors, en premier lieu, il y a cette robe Col Claudine qui est mignonne comme tout. Hop, elle est très très mignonne. Elle coûtait 23,90€. C'est une taille unique. Le site Blue Shop aussi, il n'y a rien à dire. Et livraison rapide, qualité nickel. Franchement, rien à dire. Voilà, c'est une petite robe Col Claudine. Elle est très mignonne avec des manches blanches. C'est parfaitement mon style. Je l'adore. Voilà. Très mignonne. Toujours chez Blue Shop, j'ai pris une robe pull qui se porte un peu à l'épaule comme ça, un peu ample. C'est une robe pull qui arrive à peu près au genou. Elle est très mignonne. Et la qualité, il n'y a rien à dire. Je ne me rappelle plus du prix. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité top niveau. C'est une maille fine. Donc voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus chaud, mais elle est très bien. Franchement. Toujours chez Blue Shop, cette robe, je la kiffe. Elle est très très belle. C'est une robe pareille qui arrive au genou. Et franchement, je la kiffe. Qualité au top. Rien à dire. Et celle-là, elle est beaucoup plus chaude que l'autre. Donc je la kiffe. Le kaki, je trouve que ça change un peu. Et voilà, je l'adore. Franchement. Donc après, chez Bershka, je passe d'un site à l'autre parce que j'avais oublié. J'avais pris deux hauts comme ça, un noir et un rouge. Je les kiffe de ouf. C'est une matière assez fine, mais bizarrement, qui tient quand même
pas trop mal chaud. Par contre, je l'ai pris en M et c'est un peu long, mais ça me dérange pas parce que j'aime bien cacher mes fesses moi. Donc voilà, c'est un peu long. Si j'aurais su, j'aurais pris en S, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà. Mais ils sont superbes ces petits pulls et en plus ils coûtaient 12 euros. Donc quand je dis long, ouais ça va quoi, ça arrive à peu près un petit peu en bas des, enfin bref, au milieu des fesses quoi, on va dire. Mais voilà, moi je kiffe. 12 euros, j'ai pris son frère en noir et je suis content. Après chez Bershka aussi j'ai trouvé ce petit haut. J'aime pas trop l'effet côtelé, j'aime pas trop non plus la matière, mais bon, il se porte, il est mignonnette quand même, mais c'est pas le plus grand kiff du monde et il est pas très long celui-là. Il descend un peu plus, un peu en bas de mon ventre, mais c'est tout quoi, tu vois. Mais il est mignonnette quand même. Après, le premier fashion faux pas de ce haul. Alors je t'explique, c'est une très longue histoire. Cette combinaison, je l'avais vue sur Elsa Maïté. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais kiffé le haut, mais j'avais pas vu le bas. Bref, là c'est plus une combinaison parce que je l'ai transformé en pull chez le couturier et ça m'a coûté 17 euros, escroc du village. Bref, je la mets, ça veut dire que quand je la mettais, toutes mes parties intimes étaient, comment te dire, dessinées. Tu vois, tout était dessiné, c'était juste pas possible. Je te mettrai une photo ici, là. J'ai envie de te dire, jamais de la vie je sors comme ça, j'ai plus pas. Jamais de la vie, non. Et comme j'avais la flemme de la renvoyer, je me suis dit, on va essayer de fabriquer un pull. Je te cache pas qu'en pull, en fait, en pull, ça passe crème, tu vois, mais ce truc-là, le pli, il arrive dans un endroit de mon bide que je ne supporte guère. Donc, si je pouvais marcher dans la rue en me coupant ici, ça serait formidable, tu vois. Mais bon, je suis un peu débectée sur ce coup-là, je te cache pas. En plus, la matière, elle est super douce et tout, franchement. C'est un truc de malade. Je cherchais une veste fausse fourrure, un peu qui fasse pas cheap, tu vois, qui passe bien et tout, mais gris clair, ou je sais pas comment te dire, pour mettre avec mes cuissardes. Déjà, premièrement, c'était pas du tout le même gris, on était hors sujet. Et en plus, comment te dire, tu vois le genre de matière, je te mettrai une photo ici, elle était immonde. Sur la meuf, elle passe crème, et sur moi, immétable le truc. Ça veut dire, je le mettais, déjà la fourrure, tu sais, quand tu touches, ça te fait mal aux dents, je sais pas comment expliquer le truc, c'est un truc assez spécial, tu vois. Et dès que tu marches, ça fait le bruit de froissement de vêtements. Ça veut dire que tu peux pas, si tu veux être discrète, tu peux pas, quoi, c'est clair. Ça te faisait 90 palos pour m'afficher comme ça, avec une veste, on dirait une meuf qui essayait de se prendre pour une bourgeoise, je sais pas comment te dire, c'était vraiment bourgeoise cheap, quoi, je sais pas comment te dire. Bref, j'étais outrée, j'ai dépensé 90 balles chez Misguided, comment te dire, que je l'ai renvoyé et qu'en presso, quoi. Non, je pouvais pas. Donc voilà le deuxième fashion faux pas de mon haul. Quand tu commandes sur internet, tu peux pas toucher la matière. Des fois, tu as des drôles de surprises, hein. Donc voilà le massacre. J'attends toujours qu'ils me remboursent. La dame, elle m'a répondu, ça a l'air d'être sérieux, Misguided. Il n'y a rien à dire, RAS, tout va bien. Tais-toi. Donc, ah merde. Après, toujours à Camailleux, 12,99€, ben, j'étais super contente parce que j'ai trouvé des collants paillettes. Ils appellent ça des collants. Des collants, je sais plus comment. Bon bref, t'as compris. Tu vois, ça fait des collants comètes. Noir, argent, black, silver. Moi, je kiffe, ça déchire et ça change un peu des collants habituels. Je sais pas si on va bien voir, mais moi, j'adore. Après, 9,99€, c'est un basique. Un petit col roulé noir qui va bien avec tout, qui est un peu long. C'est formidable. J'ai pris un jean noir tout simple, 19,90€. Il est tout noir, voilà, j'avais pas de jean noir. Je me suis dit, allez, c'est parti, j'en ai pas, je vais en acheter un. C'est un slim, mais c'est très bien. Toujours chez Camailleux, au prix de 39,99€, j'avais pris cette veste. C'est de la fausse fourrure, et j'aimais bien. Pour mettre avec un jean, voilà, tranquille. En plus, elle est un peu longue, ça déchire de ouf, j'aime beaucoup. Vous voyez, elle est un peu longue, elle arrive à peu près là. Donc c'est cool, et la fourrure elle est douce, c'est pas de la vraie fourrure, hein. Commence pas à me faire chier avec les conneries. Donc ça tient bien chaud et j'adore, il y a un petit bouton pour fermer le truc ici qui est tout mignon, ça tient crochet. Donc voilà, j'aime beaucoup. Toujours chez Camailleux, j'ai trouvé une robe à 37,99€, ça me faisait un peu chier d'ailleurs. Mais elle était trop mignonne, j'ai pas pu résister. Il y a un petit nœud derrière comme ça, et elle est un peu pailletée, elle est grise, toute simple, c'est juste le dos qui a le détail de nœud. Et franchement, je la kiffe. Elle est un peu pailletée, j'aime beaucoup. Très très mignonne. Et elle a la longueur parfaite, c'est-à-dire qu'elle arrive
Ah mais j'ai un peu au-dessus du genou, pour moi c'est la longueur parfaite pour se sentir à l'aise. Un autre haut que j'ai trouvé aussi là-bas, 19,99€, simple mais efficace. Il y a une petite bordure en dentelle, une espèce de dentelle ici là, j'aime beaucoup. Et ça fait sexy mais pas trop, et ça fait pas vulgaire, donc j'apprécie particulièrement. Et il est pile poil à la bonne taille, il faut. Ouais, ça tombe en dessous un peu de, des hanches. Donc après, petite surprise du jour, j'ai été contactée par le site Shein, d'accord, pour faire un partenariat. Et si vous vous rappelez bien, si vous me suivez sur Snapchat, j'avais fait une commande moi-même où j'ai été particulièrement débectée. Donc en premier, il y avait ce petit pull, mais en fait c'est des tailles uniques. Je vais vous expliquer un truc. Ce petit pull qui peut passer crème d'ailleurs. Bon, seulement il est, c'est un crop top quoi, tu vois, un crop top. Donc j'étais un peu débectée, il m'arrive pile poil en dessous de mon ventre. Tu vois, pile poil ici, c'est un peu un crop top, c'est un peu relou. Mais bon, la matière et la qualité. Après, j'avais aussi commandé ce pull qui était magnifiquement beau. Seulement la matière, c'est un peu de la plongée sous-marine et il est super court. Donc, après avoir réfléchi mûrement, je me suis dit, tu sais quoi, il y a plein de trucs qui te plaisent sur Shein et t'as été dégoûté une fois. Tente une deuxième fois ta chance, je suis sûre que ça te plaira, parce que je vois toutes les filles, ça leur plaît. Je suis juste tombée sur deux articles qui sont pas adaptés à ma morphologie, tu vois. Donc, ils m'ont proposé de m'envoyer trois articles que j'ai choisis et que je vous montre tout de suite. Je vous ai attendu pour les ouvrir. Hein. Donc, j'ai pris trois pulls. Alors, celui-là, ça commence très très bien, parce que la qualité, je peux vous dire, c'est un truc de malade. Il est super épais, j'adore la couleur. Franchement, je suis super contente. Ah ouais, ça c'est un super pull. Tu vois, ça c'est du pull, ça c'est du pull de chez Pull. Et en bas, il y a une petite frange, tu vois. Moi, personnellement, j'adore. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il est hyper chaud, je suis super contente. Et tu vois, j'ai compris la technique. En fait, sur Shein, c'est des tailles uniques pour la plupart, il me semble. Tu vois, celui-là, il arrive pile poil à la hauteur que Tata adore, tu vois. Je suis trop contente. Tu vois, j'ai écouté mes intuitions et je me suis dit, je vais pas les juger sur deux hauts, tu vois. Nickel, le premier pull, et franchement, je le kiffe de ouf. Si je pouvais vous le faire toucher, ça serait du lourd. J'adore. Très très bonne qualité. Il n'y a vraiment rien à dire. Ah ouais, je suis trop contente. J'ouvre l'autre et je reviens. Vraiment, je sais pas s'ils sont blancs, je vous attendais vraiment, mais ça revient. Donc, tu vois, ça tombe bien parce que j'avais pas de pull blanc. Super, nickel, top. J'adore. Franchement, je suis trop contente. Il y a deux petites ouvertures ici qui laissent apparaître le grain de la peau. Franchement, la qualité, il n'y a rien à dire. Je suis super contente. Voilà, il est blanc crème, il est pile poil à la hauteur que je kiffe. Franchement, nickel chrome. Et en plus, c'est de la bonne laine où j'aurai bien chaud. Donc, je suis très très content. Ah, celui-là, il va bien mal en plus avec les petites ouvertures. Tu vois, j'aime pas dire celui-là. Mais franchement, c'est mon coup de cœur. J'adore. Truc de malade. J'aime trop. Il est pile poil à ma taille. C'est une taille unique. Donc, ça veut dire que je suis encore dans les normes, tu vois. Il est pile poil. Nickel chrome. J'adore. Franchement, qualité au top. Nickel, rien à dire. Je suis super contente. Donc, ce que je peux vous conseiller, oui, je suis une paysanne, j'ai un débardeur en dessous. Je voulais juste essayer ce merveilleux pull qui me plaît, grave de chez grave. Bref, je me réconcilie sur ce avec Shein, parce que je m'en doutais en plus. J'ai vraiment pris les articles, j'étais con moi-même, hein, parce que t'as unique, quand tu réfléchis un petit peu, voilà, tu vois la photo sur le site, donc ça se voyait qu'il était court, j'étais un peu teubé. Donc, ce que je peux vous conseiller, mes amis, c'est de vous pencher vers les hauts un peu longs, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien cacher vos fesses. Tu vois, en tout cas, sur aucun des produits que j'ai reçus là, il y avait défaut. Donc, je suis hyper contente, franchement. Et voilà, moi, je kiffe beaucoup de pièces sur leur site. Donc, je vous en reparlerai, je promise. Mais j'adore, regardez-moi ce. J'aime trop les pulls comme ça, c'est un truc de malade. Et sur Shein, il y en a plein. Et tu vois, les pulls longs comme j'ai pris, il y en a plein aussi. Donc, ça vaut le coup. Cette aberration de la nature. Bon, elle passe crème, tu vois, elle pourrait passer cette robe. C'est misguided. Mais ce qui me dérange, peau d'orange, c'est le côtelet là. J'aime pas trop cette matière. Après, quand je la mets, je suis mignonnette, tu vois, mais j'ai du mal avec le côtelet en fait. Mais je m'y ferai bien un jour, tu vois. Et j'ai du mal aussi avec les cols en chair. Mais ça, t'es obligé de mettre avec tes cols en chair, sinon tu t'affiches de ouf. Donc, voilà quoi. Je suis un peu mitigée sur cette petite robe mignonne. Par contre, qualité, rien à dire. Hein. Franchement, je peux pas dire le contraire. Misguided, qualité, rien à dire. Sauf mon manteau en fausse fourrure satinée. On dirait qu'il y avait du plastique dedans. Quand tu bougeais, c'était un truc de ouf. Head and make end, c'est tout. Après, en ce qui concerne le make-up, j'ai reçu de chez Clinique un stylo aux yeux ultra fins. C'est un stylo qui se présente en poussant sur le bouchon. Après, j'ai reçu de chez Clinique
un stylo ultra fin black pour les yeux. Et franchement, il est très bien. En plus, je suis con parce que je l'avais demandé sur Octoly. Parce que j'avais vu, et je croyais que c'était un liner, mais je suis tabée. Du coup, je m'en sers pour le ratine supérieur. Et c'est top niveau. Ça bouge pas d'un poil. J'adore. Merci Clinique. Et un autre truc que j'ai reçu aujourd'hui, c'est de chez de la marque Kiehl's. Et franchement, je suis trop contente de découvrir cette marque. Merci à vous de m'avoir accepté sur Octoly. Donc voilà, je vous dirai plus tard ce que je pense de ce produit. Imbibé en coton avec la lotion et l'appliquer sur les zones de la peau nécessitant le produit. Ok. Bon, ben je regarderai et je suis bien pressée de découvrir cette gamme là parce que j'en entends souvent parler et je n'ai jamais testé. Donc là, j'étais bien contente de pouvoir le faire. J'ai l'impression que ça sent le thé. Ça sent le thé, ouais. Je suis sûre que ça fait grave du bien. Ah oh, ouais, il y a des morceaux dedans. Waouh, j'avais pas vu, mais c'est trop lourd. C'est des morceaux de quoi ça? Regardez les petits éléments à cette matière qui se promène de la beauté. Ah, j'adore. Waouh. Waouh, putain, ça me fait kiffer. C'est quoi? C'est des poses de soja ou quoi? Bon, je vous dirai ce que c'est ça parce que pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais ça me fait kiffer. Bref, on en reparlera. En tout cas, ça me fait kiffer. C'est vraiment sympathique comme effet visuel. J'adore. Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce haul vous aura donné des idées. Ah non, j'ai oublié de vous montrer un truc. Attends. Oh putain, je vais me casser la gueule. Pour le coup, chez New Look, je cherchais un manteau, disons, féminin. Pour le coup, c'est un peu raté. Mais je l'aime bien. En plus, le crash test, il est bon parce qu'il me donne chaud. Et il n'est pas très épais. Tu vois, c'est pas la doudoune qui va te mettre... d'achat en plus, tu vois. Donc je te la montre, j'ai pris kaki parce que j'en ai pas la médaille des couleurs noires et tout bordel, on dirait qu'on est en dépression toute la vie, tu vois. J'adore ce col là, je trouve que tu vois, j'aime bien, tu vois, je trouve que je me sens bien dedans. Et en fait il est un peu centré, on dirait pas sur le site de la meuf, enfin sur la meuf du site. Bon, t'as compris, la meuf elle fait 30 kilos, le truc il est pas du tout centré. Et moi comme j'ai un peu plus de charma, tu vois, il est centré. Donc je le ferme ici, voilà, je ne vais pas le fermer, tu vois. Mais avec une robe pull, je le laisse ouvert, parce que sinon, je sais pas, j'ai l'impression que je suis, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Et voilà, il est mignonnette. Bon, il coûte 59,90€, il me semble. Je trouve que le kaki, ça change. Je trouve aussi que ça me va bien autant. Je me le dis, parce que sinon, personne ne va me le dire, tu vois ce que je veux dire. Bref, j'aime bien. Et elle tient chaud, donc voilà, je valide cette petite doudoune d'amour. Bref, tous les liens seront dans la barre d'infos. Laissez le temps à Tata de rechercher tout le team et je vous mets tout ça en barre. J'en ai fini pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura inspiré du moins ou donné des idées. Je ne sais pas, je suis en pleine transition féminine. L'univers féminin me passionne et j'essaye de ressembler de plus en plus à une femme. Je suis une femme, enfin qu'elle peut arrêter de me demander si je suis une meuf ou un mec. Oh, t'as des yeux ou va voir à Flelou si t'as pas de yeux. Ça veut dire quoi ça? Bref. Passant, voilà. Je vous fais des bisous mes petits amis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam alaikum les gens.